Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo. Je me tâtais. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté le mercredi 8, jour férié en vide-grenier. Et je me tâtais à savoir si je vous présentais dans cette vidéo mes achats du 8 et mes achats de ce jour-là, du jeudi 9. Mais en fin de compte, je vais plutôt vous présenter aujourd'hui, exceptionnellement, une petite vidéo mercredi de mes achats du 8. Et dimanche, vous aurez la vidéo de la présentation de mes achats d'aujourd'hui, donc de ce jeudi. Comme ça fera une vidéo pas trop longue. Et ça fera aussi voilà, un peu de contenu pour les prochains jours, quoi, tout simplement. Donc, allez, on va commencer. Alors, le 8, j'ai fait deux vide-greniers. Un vide-grenier avec environ, je dirais, 150 exposants. Et le deuxième, il y avait à peu près 200. Donc, j'ai trouvé des trucs corrects. Il n'y a rien de fou, 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 fou. Mais il y a quand même des belles choses. Allez, on va commencer par ceci. Alors, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et je ne pensais pas l'avoir, en fin de compte. Je l'ai rentré il y a 15 jours, 3 semaines. Mais dans ma tête, j'étais persuadé que c'était la verte. Que j'ai déjà eu la verte, hein. Mais donc voilà, donc c'est un double que je vais me séparer, hein, que je mettrai sur mon Vinted, hein, tout simplement. Sinon, elle est en bon état, hein, elle a juste deux trois petits pets ici là. Mais sinon, hein, ça reste une belle El Camino, non fabriquée en France. Donc voilà, donc on va pas trop tarder. Je vais vous présenter. Quoi d'autre? J'ai trouvé ça aussi. Hop là, voilà. Une Volvo 245. Alors moi, je me suis un peu relancé. J'ai revendu beaucoup. Enfin, j'ai revendu toute ma collection Majorette. Et je regrette un petit peu d'avoir revendu certaines. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il me fallait, voilà. Des fois dans la vie, il faut vendre. Pour racheter ou pour pouvoir payer des trucs. Voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails. Je vais essayer de récupérer, mais uniquement quasiment en vide-grenier, mais bon, c'est pas toujours évident. Des voitures qui ont marqué, on va dire, entre parenthèses, mon enfance. Donc, je vais rechercher. Alors, je prendrai un modèle de chaque, hein, pas forcément tous les modèles que je trouve comme avant. Des voitures qui ont bercé un peu mon enfance, donc des Majorettes fin 70, bon moi je suis né en 80. Ben voilà, des voitures que j'ai vues dans mon enfance, donc années 70 à 90, voilà. Donc cette belle Volvo 245 DL, qui est quand même si elle est réussie, hein, celle des 60 ans. Ces modèles-là sont vraiment quand même beaucoup plus jolis. C'est vraiment dommage que Majorette n'a plus ces moules-là, hein, parce qu'il nous aurait fait vraiment de très très belles miniatures. Mais bon, c'est pas grave, les amis, c'est comme ça. J'ai aussi trouvé ce Jeep. Ambulance. Hop, il est complet, hein. Il a ses deux portes arrière. Et le petit malade. Lui, depuis le temps qu'il est malade, lui, putain, je peux. Oh, merde, j'ai dit un gros mot. Oh, je recommence, les amis. Lui, là, depuis le temps qu'il est malade, je peux vous dire que le trou de la sécu, hein. Il l'a bien creusé, il l'a bien aidé à creuser le trou, lui. Voilà. Donc, ambulance, fabriquée en France.
Alors les tarifs, j'en discutais avec notre ami Laurent Automobile. C'est devenu un peu... Ça a pris, voilà, hein. L'inflation est là aussi, hein. Même si c'est plus fabriqué de nos jours. Moi, donc ce vide-grenier-là, là, que j'ai fait, enfin ces deux vides-greniers que j'ai fait le 8, je crois que j'ai pas trouvé de voiture. Il y a juste deux voitures que j'ai payées 50 centimes. Sinon, tout le reste, c'était minimum 2 euros, quoi. Donc même les tarifs sont excessifs, deviennent excessivement chers. Et il y a un lot de 4 que j'ai refusé parce que la femme, elle en voulait 8 euros. Alors on va me dire 4, 8 euros pour 4, c'est pas cher. Mais elles étaient toutes. Il y en a une qui avait. Il y avait une Ford Sierra, la roue a été complètement enfoncée. Et en fait, je pense que c'est la petite barre qui était complètement tordue. Donc fallait l'ouvrir et tout. Elle avait des pets et tout ça. Il y avait deux Mercedes 180. Mais bon, je l'ai commandé sur Vinted. Donc, je ne l'ai pas racheté. Et il y en avait une autre, je sais plus c'était quoi, mais c'était pareil. Elle était dans un état. L'autre, elle en voulait 8. Tout ça parce que c'était fabriqué en France. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ah, elle m'a dit, c'est fabriqué en France. C'est 8 euros. Bah, garde-les, hein. Tout simplement, garde-les. C'est pas grave. Ça, la Ford Sierra, hein, je la retrouverai facilement. Il n'y a pas de souci. Oui, j'ai retrouvé aussi une autre Jeep ambulance. Sauf que là, sur celle-ci, il y a marqué urgence. Et qu'il y a des petites étoiles. Comparé à la première. Voilà. Et celle-ci, c'est une fabriquée en France. Je me demande, celle-ci, si elle faisait pas partie d'un lot d'une boîte Majo Kit. Je me demande. Mais voilà. Fabriqué en France. Ah ben non, mais c'est moi qui suis bête, les amis. Elles sont toutes les deux fabriquées en France. Ah non, c'est un achat que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis aperçu d'un truc. Enfin, vous verrez dimanche. Voilà. Donc il y en a une qui a pris un peu plus le jeu, qui a un peu plus jauni, c'est celle-ci, hein, je vous le dis. On peut voir de toute façon même à la vidéo. Alors celle-ci, je l'ai payée 50 centimes. Elle fait partie de celle que j'ai payée à 50 centimes. Et celle-ci, j'ai payé 2 euros. Et en fait, j'ai acheté celle-ci en premier. Et 4-5 stands après, j'ai vu celle-ci, la dame m'a dit 2 euros. J'ai regardé celle que j'avais. Bon, je l'ai pris pour 2 euros parce que voilà. C'est les prix qu'on trouvait, hein. Honnêtement, maintenant, on va dire c'est le prix moyen d'une majorette en brocante. Ça va être 2 euros, hein. Enfin bref. Je vais vous présenter ça que j'ai acheté. 2 euros aussi. Donc ça, je pense que j'ai quand même fait une bonne affaire. Même si l'autocollant, là, il est un peu déchiré. Enfin, il est un peu manquant. Là, il est complet. Et en plus, surtout qu'il y a la navette. Bon, la navette, elle est un peu jaunie aussi, hein. Je sais pas si avec du lustrant, Laurent, tu pourras me dire, toi, si tu sais, si avec du lustrant, je peux essayer de revoir un peu la couleur un peu jaunie, essayer de le revoir un peu plus blanc, peut-être. Je sais que toi, tu utilises du lustrant pour nettoyer tes véhicules. Moi, j'utilise des lingettes, hein. Je vous montrer, elles sont juste là. Ouais, moi j'utilise ça hein, pour nettoyer les voitures. Ça rend le cul des bébés propre et tout doux, donc je pense que ça ne va pas faire du mal aux majorettes. Voilà, 2 euros. Donc j'ai pris, hein, franchement, à 2 euros, ça se laisse pas. Faut pas les laisser traîner. Hein. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Allez. J'ai trouvé cette petite Plymouth. Alors c'est dommage que. Attendez, le focus sur là. C'est dommage que le mot police il soit bien effacé. Et là, alors je sais pas, normalement sur certaines ici, là, sur cette barre, il y a des petits ronds. Mais là, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de traces. Donc je sais pas s'il y en avait ou pas. Sur celle-ci.
Donc c'est du fabriqué en France, hein, bien sûr. Allez, fais le zoom. Voilà. Donc voilà, pareil, 2 euros. Non, 1 euro celle-ci, 1 euro. C'était 1 euro celle-ci plutôt. Voilà, c'était un peu. Je vais vous présenter quoi d'autre? Allez, on va rester dans la police. Avec cette jolie petite Jaguar. C'est la première fois que moi j'en trouve en bon état dans un vide-grenier. Hop là. Hop. Donc ben, je l'ai prise, hein, je l'avais pas. Même depuis le temps que je collectionne, je n'avais jamais trouvé. Donc je l'ai prise, une petite Jaguar XJ6. Celle-ci n'est pas fabriquée en France. Donc là, bah, une belle petite Jaguar, nickel. De la police. Alors c'est vraiment beaucoup à thème. Hein. Ce mercredi, c'était ambulance, police, rouge et blanc. Et bleu, et deux bleus, trois bleus même. Vous allez voir. Je vais vous présenter quoi d'autre? Allez, on va rester dans la police comme on a dit. Avec une petite Alpine de la police. Alors, la Jaguar 1 euro. La Alpine 1 euro. Bon, il lui manque un rétro là. Fabriqué en France. Mon état quand même correct. J'aimerais bien les trouver en meilleur état, mais j'arrive pas. Parce que voilà, j'essaye vraiment, à part quelques pépites, hein, que je prends sur internet, mais j'essaye vraiment de trouver en brocante. Hein, on reste sur la Alpine avec la SOS. Elle, par contre, elle a ses deux rétroviseurs. Voilà, Alpine A310, fabriqué en France. Je peux vous dire que le SOS médecin qui avait ça, ça dépotait grave pour aller consulter les malades. Hein. Hop, voilà. Je vais vous présenter, allez. Une belle Porsche. Alors, j'avais pas trop le souvenir d'avoir vu cette couleur-là. Alors, sur la vidéo, vous la voyez rouge, mais elle est en fait, elle est couleur rubis. L'intérieur, il est blanc, mais là, il est blanc de chez blanc. En vrai, blanc ivoire. Elle est vraiment très très propre. Alors, ça, vous voyez, je vais vous expliquer, celle-ci. C'est tout à fait tout à fait ce qu'on rencontre maintenant dans les vide-greniers. Ce modèle-là, la personne à qui je l'ai acheté, elle en demandait 6 euros. C'est hors de prix, les gars. Je peux vous dire, les amis, 6 euros, c'est hors de prix. C'est le prix que vous achetez sur Internet, honnêtement. Moi, je lui ai dit à la dame, c'était une petite dame d'un certain âge, je lui ai dit, madame, c'est trop cher et tout, je voulais pas la prendre. Elle me dit 5. Je lui dis non, madame. Je lui dis, madame, je vais être franc et honnête avec vous. Je l'avais dans les mains encore. Hein. Je lui montre. Je lui dis, bon, je dis, c'est fabriqué en France. J'ai dit, moi, les voitures, moi, j'aurais fabriqué en France, mais je les prends à 3 euros. Je voulais pas dire 4, 5. Voilà, pour essayer un peu de négocier à 4, quoi. Et je lui dis, voilà, je lui dis, moi je les prends à 3 euros. Je lui dis, les majorettes qui sont même pas fabriquées en France, donc je lui dis, c'est fabriqué en Thaïlande. Je lui dis, je les prends entre 1 et 2 euros. Et bon, je pense qu'elle a vu ma tête. Elle s'est dit, oh, ce pauvre petit gars là. Elle me dit, bon, bah, elle me dit 3 euros. Donc à 3 euros, je l'ai prise. Hein. Même honnêtement, elle m'aurait dit 4, je l'aurais prise. Elle est vraiment propre, hein, elle est vraiment belle. Hein. Mais voilà, maintenant c'est ça qu'on rencontre. C'est des gens qui vous disent une majorette, c'est 5, 6, 7, voire 10 euros.
Tout ça parce qu'ils disent, ils vous disent, oui, mais c'est fabriqué en France. Voilà. Pour eux, c'est fabriqué en France, donc ça vaut 6, 8, 10 euros. Ben non, je suis désolé. Ou alors ils vous disent, c'est ancien, c'est vintage. Le mot vintage, moi ça, ce mot-là, vintage, ça me sort par les yeux, les amis. Ça commence à me gonfler. Un de ces quatre, je vais répéter une phrase que j'ai entendue une fois. C'est que... Vintage, il y a vintage et vintage dans la vie, les gars. Hein. C'est pas parce que c'est ancien que c'est tout est vintage. Faut arrêter hein, avec ce mot vintage. À force de dire vintage, ça veut plus rien dire. Mais bon, bref. Continuons la présentation avec cette jolie BMW Turbo, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, Turbo. Elle est très très propre. Celle-ci, j'ai payé 2,50 €. Elle est très propre. En plus, ce que j'aime bien, c'est rouge et ses portes noires. Ça y va très bien. En plus, elles tiennent bien les portes. Là, on dirait un peu la voiture de masque. Bon, c'est pas une BMW qu'il a, hein. C'est une Pontiac. Mais ça fait un peu la voiture de masque. Pour ceux qui connaissent la ref, hein, je pense que vous la connaissez tous. Parce qu'on est tous à peu près de la même génération, hein. On a tous entre 50 et 30, hein, les amis, hein. En moyenne, hein. Et je l'ai la voiture de masque en plus. Attendez, je vais vous la montrer. Je fais un peu de vie, un peu de place. Elle est juste là. Voilà, ça c'est la voiture de masque. Avec les portes qui s'ouvrent. Bon, elles font un peu la tronche, mais. Voilà, ça c'est plus tout jeune non plus, ça. Je le rangerai après mieux, comme il faut. Allez, on revient à la vidéo, les gars. On remet la table. Voilà. Donc voilà, une très jolie BMW Turbo. Dans un très bel état. 2,50 €. Alors celle-ci, je suis très content de l'avoir trouvée. Elle n'est pas dans un état comme j'aurais aimé l'avoir, mais pour 2 €, honnêtement, je pensais que le mec il allait m'en demander plus. Hein. Honnêtement, je pensais qu'il allait m'en demander minimum 5. Voilà, la Renault 5 Turbo. Maxi Turbo. De Monsieur Ragnotti. Quand il m'a dit 2 euros, je l'ai pas lâché. Bon, on peut voir, hein, quand même, voilà, elle a quand même pas mal de pète hein, et tout ça. Hein. Mais ça, c'est. Même dans cet état-là, les mecs, ils voulaient vendre 5 balles. Hein. Donc à 2 euros, avec le turbo là. Avec 2 euros, hein, pour 2 euros, je l'ai prise direct. Hein, j'ai pas cherché. Voilà, les amis. Et maintenant, il me reste deux modèles à vous présenter. Alors, j'en avais quand j'ai revendu ma collection. Voilà. J'ai revendu ma collection pour des raisons financières. Hein, voilà, fallait que je paye des trucs, des factures et tout ça. Des petits soucis du quotidien qui m'étaient tombés sur le coin du nez, hein, comme tout le monde. Hein, c'est la vie, hein, les amis. Hein, on va pas se le cacher. Hein, ça peut tous nous arriver un jour ou l'autre. Et si ça doit m'arriver encore une fois, eh ben, je referai la même chose. Hein. Dans la vie, faut faire la part des choses et faut mieux avoir un toit sur la tête. Pouvoir payer ses factures pour pouvoir même manger pour certains, ça c'est que matériel, hein. C'est voilà. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les miniatures. Mais je les avais revendues, j'étais quand même dégoûté parce que c'était vraiment des objets qui me tenaient à cœur, que je trouve toujours aussi beaux.
Et j'ai la chance, mardi, d'en avoir trouvé deux. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé encore deux autres. Donc ceux d'aujourd'hui, comme je vous répète, donc aujourd'hui on est jeudi, vous verrez la vidéo dimanche. Alors, je vous présente ce que j'ai trouvé hier. Voilà, les petits Volkswagen fourgons. Donc c'est les T1, si je dis pas de bêtises. Alors ça, c'est des cafés. Très bel état. Complet. Alors, je vous dirai les tarifs après, hein. Je vais vous présenter déjà les deux modèles. Hop. Le premier et le deuxième. Alors, ceux que j'ai trouvé aujourd'hui, donc ce jeudi, c'est pas du tout les deux mêmes modèles, hein. Je vous le dis de suite, hein. C'est deux modèles différents. Complet. Là, je sais pas s'il y a un petit patient là, je me rappelle plus. Eh oui, il est là, lui aussi. Hein. Il est comme son pote dans la Jeep. Hein. Il a bien creusé le trou de la sécu. Voilà, ils sont très très propres. Bon, croix rouge, on voit que c'est un peu effacé, mais on arrive quand même à le deviner. Hein. C'est pas un souci. Et là, c'est la même chose. Alors, ces deux modèles-là, le monsieur savait hein, ce que ça valait. Parce qu'au début, il m'a annoncé que c'était 10 euros pièce. Honnêtement, 10 euros pièce, quand vous voyez sur Vinted, c'est. Grosso modo, c'est les prix, hein, faut pas se le cacher. C'est les prix. Sauf que voilà, sur Vinted, vous avez les frais. À 1 euro et des poussières là, soi-disant l'assurance, je sais pas quoi, et vous avez les frais de port. Donc ça faisait 20 euros les deux. Sauf que moi je lui ai dit 20 euros, c'était un peu cher. Voilà, on essaye aussi de négocier un petit peu, hein, de gratter quelques euros. Donc je lui avais pris deux autres modèles. Et il me dit, bon, si vous me prenez ces deux modèles-là, il me dit, je vous fais les deux combis à 15 euros les deux. Donc déjà, de 10, de 20 à 15, déjà, je gagnais 5 euros sur les combis. Sauf que les deux voitures, quand je les ai bien regardées, elles avaient des pètes de peinture et tout ça. Et moi, comme je vous dis, j'essaye de récupérer au maximum, des voitures quand même. Hein. Un assez bon état, vous voyez, comme ce style, comme la Porsche, voilà. J'essaye vraiment. Et donc, il y avait une BM 3.0 CSI, et l'autre, je sais plus, c'était quoi, je crois que c'était une petite. Si, c'était une Cox. C'était une Cox, mais c'était vraiment pas très très bel état, hein, très bel état, honnêtement. Et donc je repose les deux bagnoles et je lui dis voilà, je lui dis, non, non, je prends pas les voitures. Il me dit, mais je veux bien vous prendre ces deux-là, donc les deux combis, pour 15 euros. Et il m'a dit oui. Parce qu'en principe, il m'avait dit 15 euros, c'était pour le lot. Donc il me faisait ces deux bagnoles-là, ces deux combis, pour 15 euros, mais en faisant le lot. Il a vu que je faisais pas de lot, et il a accepté de me faire les deux pour 15. Eh ben, je suis très content. Je suis très 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 content. Et pour vous dire que c'est les tarifs, parce que les deux que j'ai achetés ce jeudi, je les ai payés 15 euros les deux aussi. Hein. Donc voilà. Donc je suis quand même bien content de re-rentrer à nouveau ces petits combis qui sont vraiment très très jolis. Je comprends notre ami West Miniature. Qui adore ces véhicules-là, c'est vraiment des très 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 jolies miniatures. Et c'est vrai que Majorette, on a fait vraiment de très très belles petites voitures. Honnêtement,
Je crois que c'est des modèles qui sont aimés, le plus aimé de tout collectionneur majorette, entre autres, hein. Alors, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais tous ceux que j'entends quand on parle des combis majorettes, ils en sont tous fous. Et je comprends parce qu'elles sont très 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 belles. Elles sont très lourdes, elles sont de super qualité. C'est vraiment des très belles pièces. Voilà les amis, sur ce, voilà, je vous ai présenté ce que j'ai acheté donc en vide-grenier, sur deux vide-greniers ce mercredi 8. Il y a de très belles choses qui vont venir sur les prochaines vidéos. Il y aura une vidéo, alors pas ce week-end-là, peut-être le week-end prochain, spécial bus, je vous le redis, avec de très belles pièces, de très 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 belles pièces. Et voilà, la semaine prochaine, il y aura de très belles voitures majorettes pour vous, les amis passionnés de majorettes, entre autres. Je voulais aussi remercier avant de vous quitter. On a dépassé les 800 abonnés. Et ouais, j'ai regardé, j'étais à 804 abonnés avant de faire la vidéo. Je vous dis juste, les amis, de plus, ça vient vraiment du plus profond de mon cœur. Merci à vous tous. Parce que c'est pas toujours évident, hein, de trouver les finances, faut dire ce qui est, hein, maintenant, les finances pour continuer de partager la passion. Et en sachant que voilà, tout ce que j'achète, ça sort de mon compte bancaire, hein. Moi, je touche rien de YouTube ou rien du tout, hein. Voilà. Je vous dis, voilà. À part vous dire un grand merci du fond du cœur aux 804 abonnés. Voilà. Je pensais jamais arriver à ce chiffre-là. Maintenant, j'aimerais bien arriver aux 1000 abonnés. Et comme je vous ai dit dans une des vidéos, si je ne dis pas de bêtises, parce que des fois j'ai un peu Alzheimer, hein. Quand j'arriverai à la barre des 1000 abonnés, je ferai un petit jeu pour vous faire gagner, voilà, quelque chose. Je ne sais pas encore trop trop quoi. Voilà, j'essaierai de vous faire gagner un bus, j'imagine, et une voiture majorette. Voilà. Donc voilà, ça sera, il n'y aura qu'un gagnant qui aura un bus et une voiture majorette, ce qui représente l'esprit de ma chaîne, hein, parce qu'à la base, c'est les bus, et aussi maintenant beaucoup les majorettes. Donc voilà, ça sera quand on aura atteint la barre des 1000 abonnés. Mais je pense que je touche du bois, hein. Ma table elle est en bois, je touche du bois. Ça sera d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, mille merci, encore mille merci à mes 804 amis abonnés. Alors même si je ne vous parle pas à tous, parce que sur les 804, je ne parle pas à tout le monde, hein. Enfin. Mais voilà. Mille, 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 merci. Allez les amis, je vous dis à dimanche. Ciao, ciao.